Ça continue de tournoyer. Alors, toi tu as 16, raté, toi tu as 18, raté, toi tu as 14. Ça fait ça en fait. Raté. Touché. Toi tu fais pou pou avec tes pou. Raté. Poum. Et poum. Pillage. Moi j'ai sorti un touché. Bah, du coup, il y a que toi. Moi je suis super tank. Hop là, tu vois. 4 points de dégâts. Moi les magiciennes faudrait peut-être penser à se mettre à la vraie. Ariel. Non, mais c'est elle qui fait les canalisations. Mais si elle meurt, elle canalise plus. Ah non. Et les siphons aussi qui font de l'énergie positive. Oui, mais on peut pas utiliser un siphon, c'est caché peut-être un siphon. Ouais. Moi, il te reste combien de points de vie? Alors là, il me restait 11 moins 4, ça fait 7. 7 C'est pas beaucoup. Non. C'est peu. Mais c'est pour ça, fais des canalisations, tu te fais dans la même. Ah non, c'est vrai, putain, c'est vrai. J'ai rien dit. Là, il me reste 4 canalisations. Est-ce que je suis susceptible de nourrir au prochain round? Peut-être. Tu peux sortir de cette pièce. Mais on va le prêtre. Est-ce que je peux genre sortir et faire la canalisation? Ou faire la canalisation et sortir? Faire la canalisation et sortir. Oui. Voilà, bah, je vais faire ça. Je vais faire la canalisation. Bah alors vas-y. 1, 2. 3, 1, j'ai de volonté. Qu'est-ce que ça donne? Oui, combien de dégâts donc? 2. T'as dit d'aller étudier les runes pendant ce combat. C'est vrai que j'ai. Ma frayeur n'est pas encore assez élevée. On va étudier les runes. C'est un putain de bourrin qui est magique. Bah oui. Je vois pas. Je crois pas les chiffres de toute façon. Il y a qui peut faire des trucs magiques? T'as encore des sorts magiques? Putain, on a plus rien pour lutter. Je fais encore un truc de perception, on sait jamais hein. Il faut qu'il fasse 1. Voilà. Genre, je fais encore 20. Donc en tout, 29? Non, 20 en tout. Ah, c'est con. C'est à 21. Dolores. J'aurais pu le voir, tu vois. Moi, j'ai 7 PV aussi. Hein. Quand est-ce qu'il réapparaît, le gros, là? Quand vous serez tous sortis. À son tour. Ça fait deux fois que c'est son tour. Bah, je sais pas, je peux utiliser un score. Il y a plus de morts vivants. Toi, t'as pas le renvoi des morts vivants, toi, par hasard? Je vais utiliser un soin bah, dès qu'il arrive, c'est ça que je prépare depuis tout à l'heure en fait. Tu le cherches et je le. Tiens ton cul, connard. Et ça fait pas trop de dégâts. Tu fais quoi? C'est 1 d8 plus 1, c'est ça? Bon bah 2. C'est déjà ça. Ouais. Tu fais quoi? Je fuis encore. Je me suis rajouté des PV. Bah sinon t'as qu'à retourner vers Anana. Non. C'était un coin safe. Bah Liage, est-ce que je sors le siphon? Mahogan. Et ta gueule liage. Mais attends, non, la Sandar serait con qu'elle perde son tir. Hein. Mahogan, son tour, il dit ta gueule liage. est-ce que je le vois? Tu penses à peu près être sûr qu'il est là. D'accord. Bah, je vais lui balancer une. Truc contre les morts vivants là. D'accord. Une destruction des morts vivants. Donc, comme il est toujours invisible, t'as un pourcentage de chance que ça rate. Fais le jet d'attaque déjà. Ça rate! Je crois que ça rate. Je ne vais même pas lancer CD. Alors, les trucs continuent de tournoyer. Ouais. Alors, pour toi, bah c'est touché, hein. Toi, c'est cassé. Ah, tu vas bien. Ah, c'est pas loin. Alors, toi, c'est touché. Tu vois. Ah, est dehors. Moi, t'es dehors. Hein. Donc, bah, ça, c'est pour. Ah, elle prend aussi des dégâts. Alors, donc, tu as pris. Ouais. Et tu as pris. Et elle a pris. 2. 2. Et 3. Quand on va battre cette saloperie, putain? Ça commence à piquer. Ariel. Tu rentres, tu fais canalisation, tu ressors. Si je fais une détection des morts vivants, est-ce que c'est plus précis? Une détection des morts. Oh oui, ça va bien, oui. J'aurais dû faire ces débuts. Il me reste 4 canalisations. Bon, écoute, je vais encore faire une. Alors, je reviens par contre. Si tu essaies, tu rentres, tu canalises, tu pourras pas ressortir. À la limite, tu soignes. Sortez les blessés, je vais vous canaliser l'énergie positive pour vous soigner. Tiens, j'ai plus de 6 mots, ça. T'oublies pas que t'as 6 mots. Sinon, c'est ton tour entier que tu passes à parler. Blessés, sortez pour soigner. Go. Oui, robot, Ariel. Pourquoi ça n'a pas de niveau 9? Tu fais pas d'autre. C'est triste. Coucou.
Attends, t'aurais pu passer ton tour à parler, dans ce cas, si t'as rien d'autre à faire. Mais oui, c'est pour ça que j'ai peur. Je t'ai dit, soit c'est 6 mots et tu fais quelque chose, soit tu passes ton tour à parler. C'est TVM. D'accord. Et puis je dis aussi, c'est peut-être bien le siphon. Irel. Sors-moi ce putain de siphon. Dolores. Je peux rien faire d'autre. Dolores. Quelqu'un a besoin des PV ou pas? Est-ce que j'ai rien à faire? Alors non, PV c'est pas roleplay par contre. Quelqu'un a besoin de santé? Oui, ils sont légers. Je ne sais pas, il y a des gens qui veulent répondre? Moi ouais, ça va pour l'instant. Ça va pour l'instant. Ça va apparemment. Ok. Quoi bah, Adeline? Pour moi là. Bon bah lance. C'est loin, je cours encore. t'es dehors là, t'es sur les marches. Hein. Sur le perron. Voilà, je suis sur le métaphone. 6. Et sur le perron, je suis bien? Ouais, je suis bien sur le perron. Voilà. Liage. Un peu de soleil. D'accord. Siphon. Aspire-moi cette saloperie. Alors combien il reste? Ah oui, c'est vrai. Et ben voilà. One shot. Ça tournoie toujours. Putain, elle a pas eu. Putain, elle a gâché un siphon pour rien. Enfin, Elle m'a bien amoché. Mais il y a une partie qui est dedans quand même. Ça sert pas. Mao Gan, c'est toi. Ouais, détection des morsures. Tu vois. Il est. Et lui, il te regarde et il lance des couteaux sur toi. Yo! Mais moi, j'évite son couteau. Avec classe. Oui. Et toi aussi. Et moi, je suis encore. Oulala, en fait, c'est passé à 30 km de Dolores. En fait, j'ai un méga bouclier autour de moi. Et ça rate aussi, il y a... Oh, décidément, il a pris cher, là. Il a raté ses attaques. Hein. Ariel. Tu sais où il est? Ah, mais du coup, je sais pas où il est. Non. Bah lui, oui. Mais moi, je sais où il est. Mais le panneau, il y a retour. Tu sais quoi, je re-rentre et je fais une canalisation. Je t'en prie. Allez, fais 4. 1. Dans tous les cas, il prend 1, même s'il réussit. Dommage. Irel. Ben... Est-ce que tu le vois, Morgan? Oui, il est là. Oui, enfin, il est là. Morgan, c'est un petit vieux. Et moi, je reste comme ça, sur ma défense. Tu vois, ça va être défensif, parce que je peux rien faire. Du coup, tout le monde voit. Parce que Morgan a montré la direction. Oui, mais c'est très très vague. Hein. Là, il peut être là. De là. Il raide. Tu peux dire sur la table, sur le lit. Ma Shabba t'a demandé, il est où? T'as dit là, tu fais autre chose. Sois plus précis. L'eau bénite, ça marche pas là-dessus? T'es chiant. Bah si, mais il faut le voir. Bah il faut le voir, je vois rien, alors moi je reste sur mes gardes. Puis je fais Liage, reprépare ton arc. Dolores. J'ai une question, est-ce que mon livre de Sora, il peut faire quelque chose ou pas? Non, c'est-à-dire que tu... Par exemple, la magicienne pourra recopier les sorts du journal, dans son propre journal. Ouais. Et elle pourra aussi créer des parchemins avec, et les parchemins, toi, tu pourras les consommer pour les apprendre. Mais avec le bouquin, sans préparation, tu ne peux rien en faire. D'accord. Donc tu profiteras de cette livre. En fait, techniquement, ce livre ne te sert à rien. Sauf pour copier. C'est avoir ton nom écrit avec du sang. Ça va être difficile, mais je pense... Le fantôme invisible, il a ton nom. Non, ça peut être difficile, on mais... le voit. Non. Ok. Hey, Caro, je soigne. Caro, je pense que ça peut être difficile, mais je pense que tu réussiras à torcher avec. Merci. Non, mais c'est absolument bien. Tu vas faire quoi du coup si... En plus, c'est Dolores. Dolores, elle recopie le truc quand elle rentre ce soir. C'est ce que je vais faire si je survis, tu vois. Ah, désolé. 2. Bon, 2 PV, c'est déjà ça. C'est dans votre hôtel. En fait, cette intention n'existe pas. Vous êtes tous dans le coma en fait. Tout à fait. En fait, c'est on est dans le cimetière et depuis le début, on est enterré. En fait, vous avez été tué par les paysans et vous le savez pas encore. Donc, t'as fait le soin. Ensuite, Cathy, oui, t'as bien noté les charges. C'était des paysans liches. Adeline. Je fuis ou alors il te reste encore un round à courir. Bah il court. Bah il court, hein. Bah je suis sur le perron, j'ai la lumière du jour, est-ce que c'est pas un endroit un peu mieux? Tu peux courir en rond? Tu sais pas jusqu'où cette bestiole peut aller. Tu peux courir en rond. Viens, je ramasse son arc, sa flèche, elle rebande l'arc. Hein. Morgan. Destruction des morts-vivants. Je vois. Oui. Je te vois. Vas-y, défonce-le. 9. Plus, je sais pas. Dextérité, plus BBA. Alors, un an guerrier. 0, BBA 1. 10, râpé. Dis-moi, ça sort avec le fromage. À côté. Tu peux nous dire où il est exactement?
Il est exactement... Sur le premier lit à gauche. En fait, il est juste là vu qu'il vient de réapparaître. Ah, c'est... Et il pousse un horrible cri. Oh putain. J'ai une volonté pour tout le monde. Oh, j'ai pas tué à temps. C'est pour moi. Bon, bah, je crois que 18, ça fait 18. 15. Non, c'est bon, ça ira. Je regarde, je fais yo, je te bois. Il y a fait en dessous de 14. Bon balayage. Et il redisparaît, bien sûr. Oh, c'est évidemment. Vrai. Je le vois toujours. Oui, mais toi tu le vois encore. Okay. Je te vois. Il est où exactement? Sur le premier lit à gauche. Ok, bah, non, sur stop, le... ça ne veut rien dire. Mais est-ce qu'elle s'est déplacée ou pas en fait? Non, il est apparu. Il s'est pas déplacé. Mais je sais pas moi. Il a pas l'air d'avoir bougé. Ok. Il a pas bougé. D'accord. Bah, je lance une destruction des morts vivants, même si je le vois pas. Dans la direction où il est. Ah, mais premier allié à gauche, ça fait deux cases. Hein, parce que tu veux réaliser. Quoi? Il y a deux cases ici. Ça peut être celle-là ou celle-ci. Sur la tête, il a pas bougé. Ouais, mais si elle l'a vu. Ah, c'est vrai. Bon, bah, vas-y, jette pourcentage. Ouais. Alléluia. Alléluia. 13 et j'ai plus 1, je crois. T'as trouvé qu'il se passe rien. Il rêve. Ben. Je peux essayer de m'approcher. T'es la saloperie. Tu vas le taper avec quoi? Bah, avec mon arme maudite, si jamais je vois ce rapport. Mon arme maudite n'est pas magique. Si. Et la mienne, si. Ah ouais, elle est magique la tienne? J'essaie de m'approcher un peu pour. Voilà, je suis d'attaque. Magique. Stylé. Moi? Oui, bah oui, toi. Qui d'autre? 18 plus 4. Bon bah tu l'as eu. Dans le vide, j'ai tapé dans le vide quand même. Il aurait resté un bon lit. T'as eu le poltergeist? Oui, je l'ai eu. J'ai tapé dans le vide avec mon arme magique. Catherine, c'est bon. Tous les objets retombent sur le sol, inanimés. Et on se les prend. Et là, je fais un jet de perception. Attends, juste un truc. Oh merde. Quoi? Oh shit. Il revit. Non, il revit pas. Excusez-moi, je vais juste les loots. Ah. Je sache ce qui vient de se casser. Eh oui, merde. Faire voler des trucs dans la pièce, au bout d'un moment, il y a des trucs qui se cassent. Hein. Putain, on va s'en prendre plein la gueule. Mais non, il y a un loot qui est cassé, je pense, non? Ouais. Un beau loot? Bah, ça va être aléatoire, malheureusement. Oh, il y a trop de choses. De quoi? Je choisis un truc de merde, un truc de merde. Je choisis un truc pourri. Devinez, il est qui? Moi. 3 heures, 4 heures. Bah, ça sera un débat. Ok, prends ça. Oh, c'est sympa. Oh, un truc qui vaut 50 PO, c'est pas grave. Donc, mais je peux le récupérer, moi je peux réparer les objets, même magique. Oui, mais tu sais, c'est une fiole qui s'est. D'accord. Attendu. Moi je fais un test de perception pour voir s'il y a des choses à récupérer. Vous allez fouiller la pièce. Je fouille la pièce. Restauration. Ça tombe bien, j'ai fait 19. Ouais. 19 plus 9. Vous avez fouillé la pièce. Je vois bien dans la pièce, c'est cool. Bon, bah on fouille, c'est parti. Je fais une détection des morts. J'ai l'impression que vous oubliez un truc par contre. Quoi? Le nain. Oh putain, il fallait le chercher. Non, j'ai dit tout à l'heure. Cassandre, il revient. Ouais, il s'est fait attaquer peut-être. Il est resté sur le perron. Est-ce que je peux envoyer Fenris le chercher? La chouette. Donc normalement, les trois rounds sont finis là. Je peux pas utiliser la chouette? Moi, je peux envoyer Fenris le chercher. Qu'est-ce que tu veux faire avec ta chouette? Céleste. Tu ne pourras pas, t'as pas de compétence de dressage avec ton loup. Tu parles. Attends, je peux essayer? Fenris, va le chercher. Non, moi, je reviens. Je reviens, j'ai les genoux qui tremblent, les dents qui claquent, mais je reviens, je vous l'apporte tout doucement. Ben, j'ai cassé mon nez. Ça a l'air d'aller. Puis je reste, tu vas revenir. Ouais, si, ouais. Bon, bah non, il oublie pas. Tout doucement, il est en train de sortir tout ce qu'il peut. Tu finis par revenir au final. Port. Il est pas bien élevé. Il y a plus de bruit dans la pièce. Surtout qu'il y a plus de bruit dans la pièce. Ils sont tous morts. C'est pas spécialement. Fais du bruit. Parlez fort. Ça vous embête, mais. J'ai de volonté pour tout le monde. Encore? Ah bah, moi aussi. Je viens d'affronter un truc absolument immense. Je suis revenu? Ah oui, oui. Bon bah, 18. Hein. Je l'ai pas affronté moi, j'ai fait 2. Oui, c'est pour ça que tu as fait 20. Merde. Oh, c'est nul. Volonté, elle est où? 5. Pas juste 7. J'ai fait 20. 17. Ouais, bah, 17, c'est bon. 20. 8. Volonté, bon, je pense que c'est plus un 18, tiens. Tous ceux qui ont fait moins de 24. Qui a fait moins de 15? On va rentrer, on va faire une canalisation. Tu ne seras pas la seule. Alors, tous ceux qui ont fait plus de 15 perdent un point d'équilibre mental. Oh putain. On s'en va. C'est vrai. Ceux qui ont fait moins de 15. Hein. Ma petite hachette, elle m'a bien salé quand même. Ils perdent un point d'équilibre mental. Oh. Ma petite hachette m'a bien salé quand même. Tu commences par aller, hein.
Elle aussi, là, je râle, hein, parce que honnêtement, la petite hachette, elle est bien servie quand même. Elle a une canalisation d'énergie positive. Ouais. Ouais.